Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc là, la suite, vous allez avoir la petite vidéo qui vous résume un petit peu notre parcours pour la vaccination ici. Très bien organisé. Ouais. Vous voyez derrière d'ailleurs, hop, on voit les petites tentes. Et non, on s'est dit que ça pouvait intéresser un petit peu des gens ou de France de voir comment ça se passe ici, ou des gens d'ici pour voir comment ça se passait parce qu'ils n'y sont pas encore passés. Donc voilà, c'est très bien passé. Très bien passé. Rapide, bien organisé. Voilà, il faut amener son petit dossier avec ici ce qu'on appelle le CURP. C'est l'équivalent de ce qu'on connaît en France avec notre carte vitale, enfin notre numéro de sécurité sociale en fait. Ici, on vient donc avec son CURP. C'est obligatoire pour pouvoir aller se faire vacciner, ce qui est normal puisque on privilégie les locaux. Voilà, et puis après ça se passe plutôt bien. Justificatif de domicile, photocopie. Numéro de sécurité sociale, ouais. La carte de résident, le passeport, et puis on a le droit à la vaccination. Donc aujourd'hui, première dose, et puis d'ici entre 4 et 6 semaines, la deuxième dose. Donc nous, on a eu une injection sous Pfizer. Jusqu'à présent, je suis content parce que j'ai pas de carte téléphone et maintenant, grâce à la vaccination, je capte la 5G. Donc je suis plutôt super satisfait de l'opération parce qu'en plus, la vaccination était gratuite. Et puis il est devenu magnétique. Voilà. Mon casque, il tient tout seul à la peau. Et ma vapote, regardez, hop. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si je la lâche, elle tient, mais voilà. Bon, bref. C'est son côté petit con, il faut toujours qu'il fasse de la. Comment on dit ? Du cynisme, un peu de provoque. Voilà. Voilà, après, libre à chacun. On revient toujours à ça. Bref, et ben voilà, donc on vous a raconté un peu comment se passait la vaccination ici. Certainement pas fondamentalement différente de la France, mais on voulait vous montrer parce qu'on pense que les gens ont souvent tendance à penser qu'on est un petit peu freestyle au Mexique. Mais enfin, finalement, vous voyez comme quoi ça peut être super bien organisé. Voilà. Voilà, donc bon visionnage et à bientôt. À bientôt.